Ceci n'est pas simplement une bibliothèque, ni même une séparation dans un espace. C'est une véritable révolution. Je vous amène à Milan en 1981. On va aller à une fête. Une fête qui se tient à la galerie Arc 74, aux deux Corso Europa. Ce soir-là, en plein salon de Milan, la cour et la ville viennent voir quelque chose d'extraordinaire. Une collection de 55 nouveaux modèles mis au point par le collectif Memphis. Memphis ? Non, Memphis, c'est pas du tout un hommage au mausolée d'Halicarnasse ou à Toutankhamon ou à Hatshepsut. Memphis, c'est finalement le tempo dans lequel un groupe s'est constitué autour de Ettore Sottsass, qu'il réunit dans son living room, dans lequel baigne la musique de Bob Dylan avec Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Memphis, c'est de là qu'il tient le nom de ce groupe qu'il va rassembler autour de lui. Alors il y a des gens comme Martine Bedin, architecte, Nathalie Dupasquier, qui est une globe-trotteur qui revient d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est des gens comme ça très très novateurs, un peu comme Michele De Lucchi. Tout ce monde-là ne supporte pas cette espèce d'esprit un petit peu trop classique de dire on est les héritiers de Léonard de Vinci, donc on va faire des choses avec certaines règles, certains codes. Eux, ils ne veulent absolument pas de ce genre de code. C'est donc pour cette raison que si on regarde cette bibliothèque, en fait, elle a un petit côté cacophonique. Que déjà, les couleurs, c'est-à-dire vous avez du rouge, du jaune, du vert, des couleurs qui sont un petit peu très 80 à première vue, mais en fait, à cette époque-là, cela ne se faisait pas du tout. Le pire, entre guillemets, c'est la matière, le mélaminé, le plastique mélaminé. On ne peut pas faire plus vulgaire. Vulgaire, justement, en latin, c'est vulgus. Vulgus, c'est le peuple. Eh bien, pour des gens comme Memphis, le peuple, c'est pas du tout une idée de quelque chose qu'il faut cacher. C'est-à-dire que ce motif un petit peu disco, un peu papillonnant, qui ressemble à une sorte de bactérie qu'on regarderait à travers un microscope, c'est effectivement un modèle qu'il a dessiné en 1978 et qu'il a appelé Bacterio. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui viendrait voir un éditeur en lui disant « je vous ai fait un motif en forme de bactérie », c'est pas forcément le plus commercial. Pourtant, c'est ce qu'il va choisir pour la base de Carlton. Juste au-dessus, deux tiroirs rouges vifs, raccordés à absolument rien, on se demande ce que ça fait là. Pourtant, ils sont centrales de ce qui va être après une sorte de symphonie de volumes horizontaux ou alors inclinés. Ça veut dire qu'on peut vraiment poser ses livres dans cette bibliothèque, mais en fait, certains seront un peu penchés, d'autres seront un peu droits. Des années après, Ron Arad fait une bibliothèque complètement serpentine qui va étonner tout le monde. Là, on est en 81, bien avant, et c'est déjà le cas. Et pour eux, c'est pas simplement une bibliothèque. C'est aussi finalement du mobilier qui sert à dire quelque chose de l'époque. Dire son époque, pas simplement pour la refléter, mais aussi pour protester contre ce qui est dominant dans cette époque. À cette époque-là, c'était le postmodernisme, avec tout ce que ça avait de règles un petit peu trop strictes pour eux. Au fond, de mettre à jour de nouvelles typologies, c'est finalement une des missions du design. Et si finalement, personne ne le fait, moi, il ne me reste plus qu'à mettre un masque et puis je m'en vais.